Grand C. Charge pesant sur Muriel Boll. Il est indispensable de les examiner puisque deux des parties civiles demandent qu'elles soient inculpées sinon d'assassinat, du moins d'enlèvement d'un mineur âgé de moins de 15 ans. L'étude des charges rassemblées contre Bernard Laroche à laquelle il vient d'être procédé tend à démontrer que Muriel Boll, en dépit de ses dénégations initiales et finales, a bien assisté à l'enlèvement de Grégory Villemain et qu'en gardant son neveu Sébastien et en rassurant la victime par sa présence, elle a facilité cet enlèvement. En revanche, il n'est pas établi qu'elle ait su, avant d'apprendre le lendemain par la lecture des journaux, la mort de Grégory Villemain, le but de l'expédition à laquelle elle avait participé. Rien dans ses aveux à la gendarmerie, au juge Lambert et à Louisette Jacob ne permet de penser qu'elle ait eu conscience de favoriser le rapt d'un enfant et son assassinat. Les confidences de Jeannine Boll à son infirmière et les renseignements fournis par celle-ci confortent cette opinion. Muriel Boll aimait en effet beaucoup les enfants et elle a été bouleversée à l'annonce du décès de Grégory Villemain. L'intention criminelle, élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée, n'étant pas en l'état démontré et semblant au contraire exclue, l'inculpation sollicitée ne saurait être envisagée. Au surplus, elle serait impossible parce que la Cour n'est pas saisie du crime d'enlèvement de mineur de 15 ans mais seulement de celui d'assassinat. Les parents de Grégory Villemain et sa grand-mère maternelle soupçonnent, il est vrai, Muriel Boll d'avoir pris une part active à la disparition de leur fils et petit-fils en lui injectant une dose d'insuline peut être mortelle, en tout cas suffisante pour l'avoir plongé dans un coma ayant facilité sa noyade. Il ressort en effet des renseignements fournis le 21 novembre 89 par Madame Golbin. Qu'en 84 cette infirmière administrait chaque jour à Jeannine Lavallie épouse Boll des piqûres d'un mélange d'insuline rapide et d'insuline lente de la marque figurant sur le flacon et sur l'emballage découvert au bord du barba au moyen d'une seringue semblable à celle qui a été saisie, laquelle n'était pas, à l'époque, en vente courante dans les pharmacies. Que cette seringue n'avait, semble-t-il, pas été retirée de son conditionnement par un profane, mais de la manière dont elle-même procédait. Qu'elle laissait chez ses malades des seringues et des flacons à insuline et que insuline était en vente libre dans les pharmacies. Que le flacon ramassé par le garde champêtre Grandjean n'était peut-être pas plein lorsqu'il avait été utilisé parce qu'il fallait remplir 5 seringues pour le vider. Que l'injection d'une seringue complète d'insuline à un enfant de 4 ans non diabétique aurait entraîné un coma et un état de mort apparente. Que 2 années environ avant la mort de sa mère survenue le 31 décembre 87, Muriel Boll avait appris à faire des piqûres à celle-ci. Il se pourrait donc, selon les parties civiles, que Bernard Laroche, informé des propriétés de l'insuline, ait conçu le projet d'anesthésier l'enfant en utilisant les produits pharmaceutiques de sa belle-mère et la compétence de sa belle-sœur. Cette hypothèse ne saurait être écartée du fait de la découverte du flacon d'insuline et de la seringue ci-dessus décrit à proximité du lieu d'immersion possible de la victime, mais en l'absence d'autres indices et de témoignages, il est impossible d'imputer une telle injection à Muriel Boll qui, à s'en tenir à la déposition de Madame Golbin, ne savait pas encore faire des piqûres à sa mère au mois d'octobre 84. Même si elle avait piqué Grégory Villemain, il est douteux que cette jeune fille de 15 ans, peu instruite, ait compris le but et les conséquences de l'acte demandé par son beau-frère. Enfin, sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 novembre 85 entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Épinal par les époux Jean-Marie Villemain auxquels s'était jointe ultérieurement Gilberte Châtel veuve Blaise, contre Muriel Boll pour complicité d'assassinat, non opposition à la réalisation d'un crime, non assistance à personne en danger, abstention volontaire de témoigner et non dénonciation de crime, une information judiciaire a été ouverte de ses chefs contre personne non dénommée. Après diverses péripéties procédurales, elle a été renvoyée le 14 septembre 87 par la chambre criminelle de la Cour de cassation devant le juge d'instruction de Dijon dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Elle s'est terminée le 25 avril 88 par une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée le 11 octobre suivant par un arrêt de ce siège. Or le ministère public, seul habilité par l'article 190 du Code de procédure pénale à requérir la réouverture de cette information ne l'a pas fait. Sous quelque aspect qu'on l'envisage, une inculpation de Muriel Boll apparaît en l'état impossible.